Monsieur Priolo. Oui. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard, hein. Pas de soucis. Beaucoup de patients. Alors. Oui, bah dans l'ensemble, c'est trois fois rien. Hein. Ah. Juste quelques médicaments, okay. Deux, trois jours de repos et puis ça ira mieux. Ok, super. Rien d'inquiétant. Oula, désolé, c'est pas votre dossier, my bad. Ah bah, excusez-moi, hein. Tellement de patients, je finis par me mélanger un peu. Ça, c'est le vôtre. Ok. Voyons voir. Monsieur Priolo. Qu'aimeriez-vous faire dans la vie? Ah, du saut en parachute. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le moment ou jamais. Pourquoi? Il vous reste 24 heures et puis. Elle est aberrante! Oh, c'est aberrant! Voiture de mes rêves, vraiment. Oh, il y a une Tesla. Mais nous, on a une RS3, mon gars. Non, je... Mec, si jamais il devait te rester qu'un seul jour à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je fais une demande en mariage. Ah ouais? Ouais, je vais pas mourir sans avoir la bague, tu vois. J'aurais vraiment 24 heures à vivre. Bah, vous êtes conscient que j'aurais pas fait de vidéo. Enfin, je sais pas, peut-être un petit truc, mais j'aurais plus pris le temps de profiter de ma famille, de mes proches et tout ça. Ouais. Que de louer une RS3. Enfin, je pense que vous comprenez. Mais juste, bah là, les gars, on se fait kiffer, format YouTube. Et toi, si je te disais qu'aujourd'hui, c'était ta dernière journée? Qu'il n'y aurait pas de demain? Plus rien. Qu'est-ce que tu en ferais? C'est pas évident d'avoir cette réponse. À vrai dire, je pense que cette question ne se pose même pas. Elle se vit. Comme le dit un proverbe chinois, profitez de la vie. Il est plus tard que vous ne pensez. Waouh! Arrivé, je pensais que j'allais attendre un peu et ça, au final non, je saute direct immédiatement. Mais j'ai pas envie de faire ça avant de mourir en fait, parce que là je suis censé mourir ce soir. Ouais, si en fait, si je meurs ce soir, bien sûr je l'ai fait, frérot. En vrai, je réalise pas en fait, c'est pour ça que j'ai pas peur là. C'est dans la vie, demain tu peux mourir. La chance n'existe pas, tu sais les portes peuvent s'ouvrir. Faut chancer dans la vie, demain tu peux mourir. La chance n'existe pas, tu sais les portes peuvent s'ouvrir. Mais faut se lancer, n'aie pas peur de bosser. Mais faut se lancer, n'aie pas peur de bosser. Faut chancer dans la vie, demain tu peux mourir. La chance n'existe pas, tu sais les portes peuvent s'ouvrir. Faut chancer dans la vie. Demain tu peux mourir, la chance n'existe pas. Tu sais les portes peuvent s'ouvrir. Mais faut se lancer, n'aie pas peur de bosser. Mais faut se lancer, n'aie pas peur de bosser. Hop là. Yes. Bien joué, Anthony. Merci. Check, check. T'as été bon? Ah ouais. La première lancée, j'étais pas prêt. C'est vrai? Une sensation forte pour le meilleur coup ailleurs, ouais. La première lancée, C'est pas. Bravo. Merci. J'étais champion. Merci, les gars. En gros, faut y retourner, quoi. Ouais. Franchement, ouais, je kifferais y retourner. C'est vrai? Ouais. Ouais, franchement, incroyable. Juste la première seconde où j'ai dû sauter, genre, il me dit, vas-y, on y va. Frère, par contre, ça m'a fait une sensation de fils de pute. Genre comme si que l'Audi RS3, je la monte à 500 km/h. D'un coup. Ok, bon bah, faire un saut en parachute, c'est validé. Maintenant, il reste plein d'autres choses, je vais pas vous dire, c'est une surprise pour la vidéo, vous verrez par la suite. On est au Domac, et moi j'ai un rêve. En fait, non, en fait, c'est pas du tout mon rêve ce qu'on va faire là. C'est que je vais vous payer McDo. Merci mec. Mais c'est pas du tout un rêve ça. J'aimerais. Enfin, tu peux réaliser ton rêve plus souvent s'il te plaît? Non, mais en fait, aujourd'hui, je vais créer mon burger au McDo. Et du coup, bah en fait, bah, je vais leur payer McDo aussi parce que c'est ma dernière journée. Du coup, j'ai envie de faire plaisir à mes proches avec un McDo. Le mec est un peu rare, mais pas trop. Demain, je suis plus là. Oh non, mec, tu m'as manqué. En vrai, on aurait pu faire un bête de resto. Hein. Un vrai McDo, ça fait plaisir. Toi qui payes, frérot, ça fait plaisir. Mais si ma carte elle passe pas, ah, c'est pas mon problème. Et en vrai, ils ont été trop mignons. Que je vais faire du coup, mec, regarde bien. Je vais prendre un Big Mac. Big Mac, ça fait une éternité, je l'ai pas pris. Je vois, c'est un Mac first poulet. Je fais ça. Ah, t'as pas pris le jambon, non? Mec,
Big Mac avec poulet et steak mec. Est-ce que je pourrais avoir un Big Mac s'il vous plaît? Ça m'a l'air monstrueux mec. En vrai c'est très bon hein. Bah, franchement il est vraiment bon. Vraiment. Et là maintenant on va dans une destination faire un petit tour avec une petite personne que vous aimez bien, je suis sûr. Hey, claque sa mère le RS3. Il est lourd. Carrément, j'ai cru que c'était GMK qui était venu me chercher. Il m'est couru après. Donc là, t'es en plein 24 heures. Ouais. En gros, normalement, ce soir, je suis censé mourir. Hein. Ah oui, c'est en mode. Tu sais que c'est ton dernier jour. Voilà, c'est ah, ça. C'est stylé. Ah, je croyais que c'était ta voiture personnelle, moi. De quoi? Le RS3. Vas-y, toi, j'aimerais bien. La caution, c'est un pote qui me l'a prêté, dis-toi, donc c'est encore plus stressant. Ah, parce que je sais que tu le pètes, c'est ton pote qui paye. Ah, mais là, t'as fait ça en parachute? Ouais, ce matin, ouais. Voilà. En fait, la première seconde, quand, genre, quand tu sautes, en mode, c'est genre en mode. Tu dois battre à 1 milliard. Tu comprends pas, en fait, tu te dis, putain, mais attends, je vais crever là. Genre, tu comprends rien à ce qui se passe, c'est horrible. Vas-y, de toute façon, tu vas la tester. Hein. T'as déjà testé RS3? RS3, j'ai jamais connu. Ah, yes, parfait. Mais tu en fait, ça me fait un peu peur de conduire. Mais tu sais que c'est un peu une voiture que j'aimerais avoir. Hein. Sérieux? Ah, RS3, frère, c'est de la frappe. Hein. Ah, wesh, ma cam, elle est partie où? Oh putain, la dinguerie! Bah, elle est où? Oui, elle est partie. La cam, elle a disparu. Et frère, hormis la cam qui s'est envolée. Je me suis envolé avec hein. C'est une... Mais moi la première fois que j'ai fait oh putain mais c'est mort, je peux pas, j'ai envie de la rendre. Ah ouais? Bah oui, j'ai eu trop peur, je me suis dit non mais je vais faire de la merde, j'ai trop peur. Toi tu conduis quoi normalement? Bah j'ai ma Fiat Punto. Ah oui, oui donc Il y a une vraie genre, vraiment je me suis passé de. Mais j'ai réussi à me sortir de la ronde. Que là limite il y a des fois dans ma tête je me dis genre attends mais c'est à moi ou... Ah non en fait c'est pas à moi. Ah ouais Joker mais tu commences à t'habituer là. C'est ça. Putain il est bien vert pomme, bien t'as flashy là. Je le kiffe. Il est vraiment stylé hein. Ouais du coup j'ai voulu te faire venir parce que bah, tu sais la dernière fois on s'était vu mais vite fait tu vois, ouais. Je voulais refaire un truc avec toi. Et puis bah d'un côté tu sais c'est un peu genre vu qu'on ma dernière journée c'était genre un peu tu sais genre aussi partager un truc avec toi parce que bah ça fait longtemps que je te suis et tout. Genre je savais que t'étais comme ça mais je m'attendais pas autant genre. Autant que le film il est bien passé, tu vois ce que je veux dire? Ah, même moi je t'ai kiffé trop. Ah, ça fait trop plaisir. Ah oh oui! T'es rodé quand même, hein! Oh là 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 là, la patate! Les gens que quand je les croise, ils sont trop heureux, trop good vibes et tout. Ouais. Je me dis, eux ils peuvent pas être comme ça tout le temps. Ouais, ça veut oui, dire c'est... quand ils rentrent chez eux, qu'ils sont tout seuls, ils pleurent. C'est vrai que souvent quand je suis tout seul, moi tu vois, je suis quelqu'un que j'ai détesté tout seul. Je déteste ça. Ah, je déteste. Quand je suis tout seul, je sais qu'il y a mes retranchements de merde qui sortent et j'aime pas. Bon, je te fais écouter. Vas-y. T'es sincère? Vas-y, je suis sincère. C'est un pote qui m'avait à écrire, je te dis la vérité, j'ai pas été tout seul. J'essaye de réussir ma vie, donc je me donne sur YouTube. Motivation est la clé, motivation est la clé. J'enlève ma fierté pour te faire des excuses. En vrai, c'est pas mal, hein. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage, grâce à mes finances. Bon, allez, vas-y, t'es prêt? Mec, je passe au volant. Allez, vas-y. J'enlève la sacoche. Fais gaffe, frérot, c'est ma voiture, j'ai payé donc. Ah, c'est ta voiture? Ouais, c'est ma voiture. Mal avec moi. Allez, belle ta ça voiture. Ça paye bien 25 000 abonnés. Putain. C'est TikTok ça. C'est l'argent de TikTok. Oh, 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 oh. Là, je te mets en mode. Putain, on dirait c'est trop ma caisse, putain. Je te mets en mode confort. Tu connais, hein. Oh, oh là là. Ok. Ok. Quelque chose là entre les mains. C'est dingue. Toi t'as aussi la police municipale. Oui. Moi je pense que tu peux déjà mettre mode sport. Hein. Ah, ah oui. Oh elle a changé de bruit. T'as vu le bruit? Et c'est ouf comment le mode sport c'est plus la même voiture. Ah t'as vu? Accélération. Oh c'est quoi ce bruit là? Ah. Non c'est le SAMU ça. Ah, c'est vrai. Ah, il a eu peur. Wouah! Ok, t'as vu, gros? Mais hey, tu sais que j'étais pas à fond du tout. Hein. Oh ah oui, ok. Ok. Eh hey, gros, j'aime trop ce genre de truc. Oh
Ah, j'avoue, mais moi, ça me fait bizarre d'être un passager, j'ai jamais été encore. Ah, si, si. Ça me fait bizarre. Mais passager, en fait. Tu ressens encore plus, je pense. Bah ouais, en fait, parce je ressens plus. Parce que moi, quand t'as accéléré tout à l'heure, j'ai été vraiment surpris. C'est comme ça aussi. Waouh! J'ai peur, vraiment hyper pour mes degrés. Ah ouais? Je te jure. Moi aussi, on va aller dans le mur. C'est maîtrisé, les gars, c'est maîtrisé. Oh putain, j'ai trop peur. Attends, il y a une corrida à droite. Oh ah oui, c'est ça en fait, de freiner, ah d'accélérer. Ah ouais, frère. C'est énervé de freiner, d'accélérer. Mec, c'est incroyable, hein. Frérot, mais attends, mais 0 à 100, c'est en combien de temps, là? Je sais pas. C'est trop dangereux. Faut pas que je m'endorme sur l'accélérateur, hein. Dans le tunnel, frérot. Incroyable dans le tunnel, gros. Oh, dans le tunnel, incroyable, hein. Bon les refs, cette vidéo, j'aurais pas pu la faire sans le frérot MD Location. Parce que bah, je suis pas riche. Voilà, tout simplement déjà. Une Audi RS3 verte électrique. Regardez comment elle est électrique. Regardez en plus les gars, 4 quattro. Genre je peux faire venir 4 personnes dans ma voiture les gars. Mec, je suis pas sûr que quattro ça veut dire 4 personnes dans la voiture. Qu'est-ce que tu me parles de voiture avec moi déjà? Ah ouais, désolé. Laisse-moi continuer. Franchement, si vraiment vous voulez louer une voiture les gars, allez chez MD Location. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait le prank, il était en stress total. Mec, j'ai cartonné de fou là. Arrête. Si mec. Non, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3 ans de permis pour louer leur voiture. Donc ça, c'est trop cool. Je vous mets tout ici. Vous pouvez les contacter sur Instagram, sur Snapchat. Et le lien est en description, les gars. Franchement, ils m'ont prêté la voiture pour la journée. Ils m'ont mis très, très bien aujourd'hui. Vraiment, je les remercie. Et allez vous abonner à eux. Et les gars, vous savez quoi? Allez liker ma dernière photo Instagram en collaboration avec eux. Et mettez en commentaire, Michou a grave validé les RS3. Ils vont kiffer. Bon, là, je vais montrer à ma mère. Elle voulait... C'était tranquille. Elle voulait un petit tour. Merci la zone. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tip attack. Versus this then is that. Killing my vibe. Now right. Normal qu'elle s'y refaire d'ailleurs. This is not another love song. Girl, you got me and me strong. Loving like you know you big stay. Elle accélère pas non plus comme une formule. Ah, mais moi je croyais que j'allais t'accrocher le dos dans le siège. Ah, d'accord. Un peu déçu alors. Ouais. Du coup, j'ai une petite surprise pour le poteau pour finir la vidéo. On s'est dit, vous avez vu, il a passé une super journée. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, elle était incroyable. Ça fait partie de tes rêves, les gars. Moi, je pense que ça fait partie de ses rêves accomplissements dans une chaîne. C'est très bien, gros, depuis qu'on se parle, YouTube. Hein. Regardez ce qu'il y a derrière, les gars. Vous êtes pas prêts. Gars, s'offre ton trophée des 100 000 abonnés, bien joué à toi. Ça va, j'ai 100 000 là. C'est bon, regarde, mec, pourquoi j'en ai trop fait sinon? Attends, comment j'ai fait sinon? Okay, frérot, y a un petit ah, mais ça, t'inquiète, c'est tranquille. Okay, c'est une erreur, tranquille. Ils se sont mec, en vrai, il est incroyable. Avant la fin de l'année, t'as ce trophée, c'est bon. Ah ouais? Les gars, c'est que entre vous, moi. Avant la fin de l'année, là. Je vais être là quand tu vas okay, recevoir. Ok, mec, promis, c'est une promesse. Ok, c'est bon? Mec, 100 000 abonnés, c'est bon. Si ça fait partie de ses rêves, tu vas l'avoir. Là, c'est juste un avant-goût de ce qui arrive. Let's go. Bon, les refs, pour finir cette journée, je voulais clairement pas la finir dans mon lit. Vous savez, j'ai toujours voulu habiter près de la mer. Et aujourd'hui, les gars, on est sur le bateau, coucher de soleil, pour finir cette journée incroyable. Let's go! Vous avez vu ce petit coucher de soleil, il est incroyable. Là je suis avec les frérots, c'est grâce à Lucas les gars, avec son petit bateau là. Franchement, cette journée ne pouvait pas mieux se terminer qu'un coucher de soleil sur un bateau à la mer. Avec Lucas. Avec Lucas. Bon, je me rends compte qu'avec cette vidéo, bah les gars, que la mort existe en fait. Des fois j'ai l'impression qu'on oublie qu'un jour on va mourir, tu vois, et qu'il faut profiter, faut faire ce qu'on veut faire. Que j'ai tellement été à fond dans mes projets
que j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas pu trop profiter de mes potes, ma famille et tout ça. Et n'oubliez pas, dans la vie, il y a plein de choses qui sont bien. Pensez pas qu'à l'argent ou qu'à la réussite, mais pensez quand même à vos projets. Mais essayez de pas être focus trop là-dedans. Moi, je sais que je suis trop focus là-dedans. Et des fois, ça m'arrive de pas assez profiter de la vie, la réelle vie, tu vois. Pensez pas qu'à la mort, pensez pas que demain c'est votre dernière journée, mais juste gardez-le dans un coin de la tête parce que bah ça va arriver. Faites ce que vous avez à faire et profitez de vos proches et soyez heureux. Oh mais c'est bon, je déconne, détends-toi, oh là là, desserre les fesses, regarde-toi, t'es pâle comme un cachet d'aspirine. D'ailleurs, t'en aurais bien besoin, hein. Franchement, détends-toi. C'est une blague? J'ai l'air de vouloir rigoler. Non mais, c'est pas drôle votre truc? Bah comme vos passages tous les jours. Alors du coup, ça sera de l'aspirine et des suppos. Voilà votre ordonnance et à demain, comme d'habitude, à 8h. Et bon suppos. Je ne vous raccompagne pas. Abonnez-vous.